Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis. Merci encore une fois de plus d'être nombreux à nous avoir écrit. Nous avions eu beaucoup de mails, nous avions eu beaucoup de feedback sur les émissions que nous avions passées hier et avant-hier. Surtout hier, l'émission qui consistait sur l'état des sièges, nous avions parlé de certaines choses qui a intéressé beaucoup de gens que nous sommes obligés à continuer cette émission demain parce que nous sommes en train d'attendre certains autres éléments qui compléteront ce que nous avions dit hier à propos des marches, à propos de l'implication de l'armée. Notre armée est infiltrée et nous aurons encore à vous en parler demain dans une autre émission dont nous parlerons de l'état des sièges. La sécurité est grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a certaines histoires qui ne marchent toujours pas malgré cet état des sièges. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler des élections, pas des élections, mais du recensement et de l'identification. Je crois que vous êtes nombreux à avoir suivi avant-hier, je crois, le premier ministre qui recevait un groupe de gens qui, en fait, ce sont les gens qui sont venus autour de lui pour qu'il parle des recensements et de l'identification. Vous avez sans doute, ceux qui me suivent depuis un certain temps, nous avions parlé de cette histoire ici sur le fondement même de notre pays. Où est-ce que notre pays doit être assis? Donc, Mboka na biso kovanda la nini pour que le projet de développement ezala malamu. Et parmi toutes ces solutions que nous apportions sur la place publique, nous avions parlé du recensement et de l'identification. Dans cette émission, nous sommes très contents que, quelque part, nous sommes en train de parler de problèmes réels, finalement, que ceux qui sont au pouvoir commencent à voir effectivement que c'est par là qu'il faut passer pour espérer mettre notre pays sur la voie du développement. Donc, nous allons en parler, mais dans un autre angle, dans l'angle de quelqu'un qui sait où est-ce que nous allons, comment nous allons faire cette identification et ce recensement. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élections.net. RDC, 600 millions de dollars pour les opérations d'enrôlement des électeurs, recensement et d'identification de la population. Afrique, le Mali prépare ses trains d'hydrogène à l'hydrogène. On va sur actualité.cd. Exclusion des élèves du système éducatif. La VSV estime très grave la décision et appelle le ministre à se raviser. Et puis, Chopo, des experts de l'OMS déployés à Panania où sévit la flambée de la méningite. On va sur Congo profond. Congo central, Matouguana out. Remise et reprise ce mercredi 8 septembre. Puis RDC, l'évêque Pascal Mukuna et son évêque patriotique demandent un mandat d'arrêt international contre le général John Numbi. 7 sur 7, Kinshasa. Après la Mouka, le parti Mboso CDR annonce une marche de 15 septembre pour soutenir les institutions. Puis 12 organisations de la société civile lance le processus de plaidoyer sur la politique nationale énergétique. On termine par Radio Okapi, regain d'insécurité dans certains quartiers de Kisangani. Et puis, Kinou, $50 d'amende pour le motard et parents qui troubleront l'ordre public après la publication des résultats de l'examen d'État. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. En tout cas, ça faisait pratiquement, je crois, quelques 2 ou 3 mois. Nous en avions parlé, nous avions insisté que sans le recensement, sans l'identification, d'abord, je vais d'abord essayer un peu de vous expliquer certaines choses ici.
Le recensement et l'identification, ce sont deux choses qui sont pratiquement différentes. Le recensement, c'est dans le but de recenser les gens qui sont déjà identifiés. Donc, dans le recensement, nous avons déjà des gens qui sont identifiés. Prenons par exemple ici en Afrique du Sud. On va créer un fichier électoral. Nous avions fait une loi que pour que vous puissiez voter, il faut au moins avoir 18 ans. Donc, vous êtes un Congolais, vivant au Congo ou bien ailleurs, tout ça, mais vous devez avoir 18 ans. Mais tous ces gens-là, où est-ce qu'on va les puiser? On va les puiser dans un fichier qui est celui de l'identité des Congolais. C'est pour ça que je vous dis, recensement, na identification, et ça, il y a un balai différent. Il ne faut pas confondre le recensement et l'identification. Il y a d'autres personnes qui parlent de l'enrôlement aux élections. Donc, les opérations d'enrôlement, c'est tout à fait, je crois que c'est le synonyme du recensement. Quand vous vous enrôlez et puis vous êtes recensé, c'est la même chose pour un but quelconque qui est celui des élections, d'être répertorié dans le fiche, vous remplissez le critère de ceux qui doivent voter. En 2023, nous devons aller voter, il doit y avoir un fichier électoral. Et pour cela, nous devons enrôler les gens. Et ces gens-là doivent avoir au moins 18 ans, mâle ou femelle. Ils doivent avoir 18 ans. Donc, où est-ce que nous allons puiser ces gens-là? Nous allons les puiser dans un fichier qui est le fichier d'identification. Dans celui d'identification, on va les puiser comment? Il faudrait que ces gens qui viendront faire le recensement ou bien s'enrôler pour voter devraient se munir d'un document. C'est le document, celui d'identification. On doit les identifier d'abord qu'ils sont Congolais. On doit confirmer qu'ils ont plus de 18 ans ou bien ils ont 18 ans. Maintenant, nous entrons dans cette phase où le gouvernement prend conscience que non, il faudrait que nous puissions aller aux enrôlements et aux identifications. Nous avions dit ceci. La bonne manière de faire ceci, il ne faut pas mettre la confusion dans la tête des Congolais. Ba Congolais, tout élément, tout ça, na boanya, tout fungola miso, parce que ba lingi ba sale, ba koti sa biso, le sou sou na biloko, comme ma biso, ma be. Si nous ratons le recensement et l'identification, si nous les ratons, c'est fini, notre pays va encore recommencer la même chose. Vous voyez aujourd'hui par exemple, nous avons difficile à avoir une carte d'identité, nous avons difficile à avoir des fichiers. Je vous dis par exemple une chose. Bon, Boyokaki Makambo Obalobi na fonction publique, je vais prendre trois exemples. Fonction publique, enseignement primaire et secondaire, et puis nous avions parlé aussi de l'armée. Batouana, on a parlé dans le enseignement des cartes biométriques qu'il fallait donner aux enfants. Donc, Batou école primaire, on a le ministre parti en Allemagne négocier contrat sur combien de millions pour que Bapé Sababan, Baban et Baïkolier. Il faut que ces enfants des écoliers, selon eux, il faut pas foutre à 5 dollars pour que base à la naba carte biométrique. À quoi ça nous sert? Personne ne sait. Aux hommes, la place gouvernement et puis ceux qui ont des gens qui Balobi Lissoussou, d'un côté, il y a un employé à fonction publique. On va les donner des cartes biométriques. Bandeko, est-ce que carte biométrique, on est causé à la caca pose à la fonction publique? Qu'est-ce qu'il faut? Tout ça va être basé sur quoi? Ça va être basé sur l'identification. Donc, opération à Liboso, même dans l'armée, même partout, ou quoi que ce soit, Kende Wapi, opération à Liboso, c'est à la identification. Il faut avoir une carte d'identité. Carte d'identité, on a awa, selon awa en Afrique du Sud. Le numéro d'identification est à la carte, déjà dès la naissance. On a enregistré,
on enregistre les enfants dès la naissance. Deux semaines après, il faut que le ministère intérieur, na Home Affairs, comme on appelle ici, pour que aux attestation de naissance na yo, ou ils ont attesté yo que non. Mutu oyo abotami na hôpital, oyo mama na ye fulani, ba papa na ye boye, ba parents na ye bazaba, Congo bien bazaba, ils ont leur identité. Biso et ça les makandeni. Aujourd'hui, il est difficile. Moi-même, j'ai eu des difficultés à avoir mon attestation de naissance pour Goma. Dans mon document, je ne peux pas vous dire que combien j'ai fait de gymnastique pour avoir cette attestation de naissance qui m'a été livrée ici à l'ambassade de l'Afrique du Sud. C'est lorsque j'ai cherché à avoir mes documents, donc mon document, il y a résidence à Oa. Donc, il a fallu que je n'ai pas attestation de naissance à l'ambassade. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Ils m'ont posé tout simplement des petites questions. Il n'y a jamais eu de vérification. C'est pour cela que nous disons ceci, Bandeko. Il faut que nous puissions faire ces histoires sur le bon chemin. Naïlo, comment il y a bien? Ce qui te sali en goma l'âme, ce qui te tient système en goma l'âme, et qu'on évite que les gens soient sous le nom. En 2021, en 2023, en 2028, les Camoués ont été sous le nom. Et puis, ils ont fait ça, ils sont sous le nom. Et là, comment ils sont sous le nom et qu'ils ont la base. C'est pour cela que nous insistons à ce que l'identification, il faut ça, les gens, ils sont sous le nom, ils sont bien. Alors, pour que l'identification ne soit pas là, malamu nanzela bien, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est ça la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Bandeko, n'appelez pas bien un exemple, Moko. Avant tout, quand on a canalé comme on a besoin, il y a une solution. Ici, en Afrique du Sud, je crois que le prof Mbata connaît cette histoire très très bien. Je l'ai suivi quelque part à Zalo, quand on a dit que je suis allé à et puis si nga soni puis na lobi vraiment pourquoi bantu oyo balingi kokoti sabiso na mubu ozo mona ka mutu azo kosa et il n'a même pas honte azo kosa la makamu no soza il se contredit tantôt oh non ba député baza libre tantôt oh non ba organisation ya ba opposition quand on lui pose le, ba opposant baza ba puis oh non ba opposant baza ba député ba mutu na mutu ko ko se déclarer kaka boy. Quand vous dites que non, c'est ma quota au ESA pour l'opposition, est-ce que l'opposition ESA reconnaît ESA la canavoie mon corps? Oh non, les députés peuvent venir se réclamer de l'opposition. Donc, ma cacophonie mon corps pour sa canate. On a ESA la entre parenthèses. Oh on a ni au ESA ni ESA cola qui s'acque. Tosa colinga kobongisa mboka oyote. Mboka o soki toke nango na ordre te. Soki to lingi commettre ordre. Faisons ça simplement. Babilo kozo salema na parlement wana quelqu'un donc a reko se réveiller le binga na za opposant a ke ko sala boy donc l'opposition n'a pas un cadre ya kolobao c'est comme ça même que vous ça comme on a même nanani na seni na nanani na batua nani ya seni kuna ba confession religieuse baza ko yo kanate pourquoi parce que on ne veut pas mettre de l'ordre bandeko na likambo ya nani ya recensement ya identification toti ya ordre. Mettons de l'ordre dans cette histoire-là et qu'on sauve Bissona Makamboué Bélé. Alors, quel est le chemin que nous nous sommes dit? Et ça n'a pas point 5 points. Oh, yo, ce qui t'a dit en haut à pas et qu'on évite Bissona Makamboué. D'abord, groupe 1 a créé OIM et tout ça, le premier ministre a recevé qui d'abord, il y a une proposition, il y a une proposition, il va nous falloir 900 millions de dollars pour que l'ICAMO oyo ya recensement na identification et salem. Ba eko kakola, ezane ti babilo ko msusu ba eko kakola et komi 600 millions. Moi je me demande qu'est-ce qui se passe, je n'ai pas encore lu ma texte na bango. Je peux pas vous dire, je n'ai pas encore lu. Et pour moi j'anticipe en leur disant que ceci. Ezala 1 milliard, ezala 1 milliard 500. Mais si nous le faisons très bien, le gouvernement actuel doit s'atteler pas à faire réélire le président de la République. Qu'on ne le fasse pas dans la précipitation, Bandeko. Batouana va kokakola et l'okwana poubaloba. Non, non, non. Toki ko sala et l'okwana ko vite, vite fait pour que nous puissions être prêts en 2023. Non, et ko sala et manengwana te.
L'identification, la bonne identification doit se faire comment? Nous avons 5 points. Il faut engager une bonne identification. 5 points. Le premier point est qu'il faut faire engager la base. Il faudrait que la base soit impliquée. Ça veut dire quoi? Dans base, qu'est-ce que notre base? Nos ethnies et nos tribus doivent être impliquées séparément. Parce que dans le numéro d'identification, il faut tous être capable à Koloba, oyo identification, oyo za Shaba, oyo za Wapi. Ici en Afrique du Sud, bazana tozana ba numéro d'identification, ils ont 13 chiffres. Moi j'ai mon numéro d'identification. Oh bango ba monaki acte numéro, ils ont contenu date de naissance na yo, na ba code ya ba place oyo saleli tout ça, ils ont 13 chiffres. C'est comme ça que j'ai dit que non. Ba conférence, ba nani ba état des lieux à la province, autant que ce que ko benga maka. Et là, il fallait la traiter na kati. Et chaque territoire est en accord na yango, ou ko se retrouve na kati ya numéro d'identification ya mutu na mutu. Tout Congolais devrait avoir un numéro d'identification. Alors, à ce moment-là, ko zala ndenge nini. Tous les bani qui sont reconnus. Batoumaye bani ezate ke batoko luka ba musikate. C'est pour cela que je dis oh bazo sala a ezako lingali susu ko sala likambo moko ya mbangu balobino année prochaine likambo ko bandesie Cécile. Non. Ce n'est pas comme ça. Parce que en 2023, il y aura des gars qui si aujourd'hui nous commençons les opérations aujourd'hui, peut-être bazana ba 13 ans. En 2023, ba kozala na ba 16 ans, en 2000, ba o bazaki na ba 16 ans, ba kozala na 19 ans, ils auront à entrer dans ces fichiers-là. Ceux qui t'ont bandi ba opération lelo. Parce que si nous disons que na ba recensement, il faut que zala bazala na 18 ans. Donc, recensement na biso po na ba élection, il faut ba na 2023. Donc, ceux qui dans 2023 Batou se fixe, bon, opération enrôlement, il y a recensement, il y a pas une élection, et aussi là, dans le mois de juin. Donc, ceux qui viendront au mois de juillet, qui seront plus de 18 ans au mois de juillet, ils ne participeront pas, ils ne vont pas participer à l'élection prochaine. Donc, ils vont 18 ans. Avant le mois de juin, parce que l'élection est supposée en décembre, bango bakoki kozala na possibilité ya ko s'enrôler.
C'est ça que nous nous disons que biloko wana nyonso il faut compter sur l'identification. Alors, identification d'abord. Donc l'enrôlement ne peut pas être en même temps avec l'identification. Et écoute comme ça les battants mon côté. L'enrôlement doit commencer en principe au mois de janvier par exemple à 2023 après que nous ayons constitué notre fiche d'identification, après que tous les Congolais aient un numéro d'identification. Na ba o baza ko botama. Baza ko za la kaka na ba numéro d'identification na bango. O ba benga ka ID. Numéro matricule na ya mutu na mutu. Il faut que ton koma na isi kawana. Que Congolais nyoso. Avant ya kwa po avoir passeport na yo. Il faut za la na numéro d'identification na yo. C'est comme le numéro de téléphone que nous avons aujourd'hui. Et ça peut se faire comme ça. Mais écoute ça les masicondes parce que craignons que ba étranger na ba oyo ba sengeli te ba kokota na ba opération oyo. C'est pour cela que nous nous sommes dit et loko oyo il faut seulement à partir à base. Donc si nous pouvons commencer l'opération en 2022 année prochaine to lobby bon OK nous commençons ba opération ya identification oyo ko dire peut-être 6 mois ou bien 8 mois. Et après avoir 8 mois, on a battu nous surtout basi basili qu'on s'identifie. Et puis battu nous sur basa déjà na bai numéro d'immatriculation na bango. Tout le monde a un numéro d'identification. On va benga ka ID. Donc carte d'identité. C'est dès lors qu'au mois de janvier, na 2023, qu'on peut commencer maintenant l'opération recensement. Pour que tous les élections soient en 2023, donc depuis 2023, après l'opération d'identification, tout ce qui est en train de se faire, il y a un fichier électoral, ba numéro na ezako se retrouver déjà na fiché ya nani ya ya identification. On connaît votre identification, on peut identifier peut-être 100 000 ou bien 90 000 Congolais, 90 millions de Congolais na fiché identification na biso ba o baza ba majeur au moment où tozo ke na ba opération ba o kiosa la tam susu 45 000 tam susu 33 millions. Disons, je parle en millions ici, excusez-moi les confusions des chiffres. Batouana ba oki kozala 40 millions, oh, va s'enrôler pour tout ça la ba élection. Et kokende nango, sans problème, à ce moment-là, lorsque quelqu'un vote, nous connaissons déjà qui a voté et ça peut être une façon électroniquement, oki kozala bien. Même ici en Afrique du Sud, ils ont la électronique, mais manuel plus électronique. Mbata yebi loko très très bien parce qu'il a vécu ici a yebi nenge nini sale maka mais bon comment na ba makamu nenge bazo sala bazo kene na ngo makambo ya ko tricher za na kati mingi et c'est ça que nous déplorons. Alors to bande ko lo baboy l'opération doit être gérée à la base coordinée par peut-être na équipe wana. Qu'est-ce qu'il faut ba tunini il faut engager boko engager ba tuna Kinshasa te que non, batubalo wa Kinshasa ba kenda ka kote kuna kona kosa l'identification. Non, nous devons déjà constituer ya mwana na loba ki nabi, il faut que elo komo kwezala neti ba état de lieu ya ba territoire dans lequel ba territoire chaque territoire ekoyeba ba kozala na ba administrateur de territoire na kote kuna ba chef de secteur ba groupement ba chef ba village ba kutani ba lobi bon nous allons commencer cette opération ba tunini ngo ba koki ko salisa biso pona ko identifier ba population. Pourquoi les chefs de clan devront être inclus? Pourquoi les chefs de chefs coutumiers ba chef ba koza la inclus? C'est parce que ces chefs là devront valider chaque numéro d'identification. Pourquoi? Parce que toza déjà ba mikolo. Alors, bah, tout le monde faut que tu aies un comité à identifier. Oh, tu as un comité. Et puis, la tribune, tu as un comité. Ça sera un truc purement congolais. Oh, tu as sécurisé Congo Nabiso. Je vous dis que ce qui est bien, tout
toutes cartes d'identité, ozala wapi, ozala na mubai mbongo, ozala na kasumbalesa. Tango bazo tia yango na machine po ba detekte yango, on saura que non mutu oyo azo appartenir na tel tribu ou bien azo appartenir par exemple na tel région a mouti boye. Identifier et confirmer en gros. Na oh ya faut et qu'on détecte. Comme nous avons nos cartes d'identité ici. Ces cartes d'identité, lorsqu'on les voit, on va voir que oh ça ya faut, il y a moyen de sécuriser ces histoires là. Na moyen pour contrôler en gros. Bien sûr que ça ne peut pas être à 100%. Même à la tricherie zalaka. Mais au moins à 95 ou bien 86-7%, il y a babilo quoi ne kosale mananzela moko ya malamu. Et Kosali Sakabiso. Donc, si ces gens ici ne sont pas impliqués dans l'opération d'identification, c'est pour cela que nous disons ceci. Tout le bandeko, les Congolais, pardon, je ne suis plus ceux qui vont faire gouvernement à Bissou et Zali. Je vais les supplier. Tout ça, les locaux, on en dit là, mon quoi bien. Ne mettons pas un truc pour que tout le monde soit en Mongo. Ce n'est pas l'argent. Ça va nous éviter tous les conflits fonciers, tous les conflits. Il y a moyen de mettre ça dans le territoire. Le territoire où nous avons bon. Ok, voici notre comité d'identification. Par exemple, on a 4 tribus ou bien on a 5 tribus. Alors, dans le cas 5 tribus, on a battu. On peut les désigner selon les tribus. Alors, les tribus, 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 les comité. Lorsque les gens viennent s'identifier, on les saura. Yo outi wapi. Ah, ok. Carte d'identité, non, en gros. Bakoye, babango. Là, les étrangers ne viendront pas. Bah, étrangers, bakoye, ne viennent pas tant que baso, et babakobi. Côté kuneza, bah, et ça, vraiment, batou, et solon de moutouaza, qu'on identifie, batou. Ce qui est le but, c'est que vous avez un le mounande là peut vous identifier. Il peut dire que ah ouais ça mounande. Par exemple pas na biso. Banande ou ya Uganda toyeba kabango tokoyeba. Mais yo soko outi na Kinshasa okoye bate que mounande ou ya mounande ya Uganda. La même chose que na baba côté ba frontière ou bien tout ça. On peut limiter cette histoire, on peut le faire bien. Voilà tout ce que nous avions à vous dire sur cette opération de recensement et d'identification. Il y a beaucoup à dire. Biloko ebele na kozonga la kangol susu pour attirer attention à bato ba niko sa le loko basala yango bien pour que éviter biso na ba magistrature wana koya ko bandela ka susu ba mama kambo. Si nous l'avions fait en 2006 très bien, on n'aurait pas eu ce problème aujourd'hui. La carte d'identité de l'Afrique du Sud, oh, Babenga Kawa, Green ID, ça fait des années. Nous avions rencontré ça ici. Ça fait des années. Même avant que Mandela soit en prison. Beaucoup d'années, ils ont la green card. Tant que Babande Kosa, les Lokwana et Sale Makanango, Ao. C'est pour cela que vous avez eu Baoma fait ces Ao. Moi, j'ai bien dit que solution en bon cannabis, c'est réorganiser la base et que vendre sa macamuna n'engue mon quoi bien. Merci pour tous ceux qui sont encore en train de s'abonner. Si vous étiez là pour la première fois et que vous aviez aimé cette émission, tika moi like et que ça rabisse au moins plaisir vraiment. Ce qui te zippe ma commentaire nabino et que peut s'abisser c'est mon macas. Merci beaucoup. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.